Salut! Aujourd'hui, je vais m'occuper de mettre des façades sur mes tiroirs avec du valchromate bleu cette fois-ci. C'est une nouveauté. Voilà, ça va être bleu. Alors, des grandes façades, des moyennes et des petites qui vont être égales sur toute la longueur. Voilà, allez en avant! Alors on a une largeur de caisson identique, c'est 80 cm, auquel je vais enlever 2-3 mm pour avoir de toute façon le petit jeu nécessaire à ce que le tiroir puisse coulisser sans problème. Allez, une fois de plus, c'est parti pour un peu de Rubio qui va faire ressortir ce bleu d'enfer. Ça va être génial. Thank you.
voilà, 20-25 minutes après, toutes les façades sont tartinées de Rubio. Il y a une petite réserve là, parce que c'est là où va aller le tiroir, la partie bois du tiroir. C'est l'intérieur du meuble. Mais voilà, c'est un produit qui est génial, parce qu'au bout de 20-25 minutes, c'est fini. Il y a les deux faces qui sont faites, et je vais pouvoir les installer assez bientôt. Je vais laisser sécher, je vais aller manger, puis je vais laisser sécher, puis ça va être bon. Et pour obtenir un résultat satisfaisant sur les façades, et pas avoir des zonages qui peuvent arriver, il faut bien assurer le ponçage comme il faut, uniforme. C'est l'uniformité du ponçage qui fait le succès du Rubio. Il n'y a pas grand chose d'autre, parce qu'à l'application, vous avez vu, c'est juste qu'il faut en étaler, et puis voilà. Et après l'essuyer. Et voilà, encore une fois, c'est pas très compliqué de faire des tiroirs, il suffit de s'appliquer. Alors pour la fabrication même des tiroirs, je vous renvoie sur un film que j'ai déjà fait, je mets un petit lien là-haut. Et pour la pose, ça sera dans une prochaine vidéo, à venir très vite.